Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo sur la voiture donc d'un abonné. Je vous la montre tout de suite. C63 AMG dans une configuration très très méchante. Je vous montre tout de suite l'arrière. Alors là j'adore avec les feux noirs, feux teintés, gris mat, une belle configuration. C'est parti. Donc on va vous présenter la voiture donc de Thomas, un abonné, donc configuration super sympa. Dis-moi Thomas, tu l'as acheté comme ça? Ouais, je l'ai acheté comme ça, c'est l'ancien propriétaire qui a tout fait, il a fait cette configuration là. Ouais, donc configuration, donc il l'a acheté comme ça, donc avec les modifs déjà faites. Bon, moi ce que j'adore, bon déjà c'est un covering la couleur? Là c'est un covering, ouais. C'est un covering, ouais, d'accord, c'est un covering gris mat, et à la base tu sais quelle couleur elle est? Elle est noire. Elle est noire à la base, ouais. Elle est noire de base, ok. Les feux ont été teintés. Ils ont été teintés, ouais. 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 Les feux ont été teintés, ça c'est super sympa. Il y a le diffuseur qui a été changé à l'arrière aussi. Le diffuseur carbone, ouais. Diffuseur carbone, regardez ça. Ça c'est magnifique. Les échappements ont pas l'air d'être très stock non plus. Non, il a mis une demi-ligne Agency Power. D'accord, Agency voilà, Power. Ouais, ça fait un bruit un peu plus rauque, quoi. Un bruit un peu plus rauque, on va vous faire ça. On va faire écouter ça tout à l'heure. Les logos ont été mis aussi en noir. Ouais, noir aussi, vous avez le logo AMG, là aussi le petit logo qui va avec, le petit béquet en noir. Donc ce qui est bien sur la voiture, c'est qu'il n'y a quasiment aucun chrome, à part le liseré des jantes et le C63 sous le côté. On est vraiment sur une configuration très très méchante. Hein. Alors moi j'adore quand il n'y a pas les chromes autour des vitres. Ça fait beaucoup plus méchant. On va passer à la face avant maintenant. Donc là aussi bien méchante avec la calandre noire. Logo noir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que de petits motifs? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Tout, hein. Ah, ouais, ça a été aussi un peu modifié. C'est un vrai de connerie. Ouais. Il y a un petit liseré noir brillant là. Qui rajoute un petit peu d'agressivité au véhicule. Non, mais franchement, ta voiture, elle est super, super sympa. Est-ce que tu as prévu de faire de nouvelles modifications sur ce véhicule? Alors, dans l'absolu, non. Après, peut-être passer dans un covering, peut-être kaki. Kaki? Ouais, peut-être kaki, parce que j'aime bien cette couleur-là. Ouais, ça peut faire pas mal. Tant que tu vas pas sur du camo, c'est très voilà, bien. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je suis pas trop fan. Parce que le camo, il y en a marre d'en voir partout. Entre guillemets, voilà, il y a GMK qui s'est mis à faire du camo. Donc, tout le monde a fait du camo. GMK n'a pas été le premier à faire du camo, contrairement à plein de gens qui pensent ça. Donc là, un kaki, ça peut faire super méchant, mais il faudra surtout sûrement garder tout ce qui est partie noire devant. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, il faut vraiment qu'elle reste, entre guillemets, énervée, quoi. Là, c'est vraiment une configuration énervée. Une configuration, comme j'appelle ça, une configuration de dealer du 9-3, quoi. C'est exactement ça. Plus comme je vous dis, donc ça fait vraiment une configuration de gros dealer du 9-3. Et regardez le logo en plus. Voilà, 9-3. Ça trompe pas. Hein. Et c'est quoi les petits... Ah bah ça c'est la marque des échappements, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est des échappements. Ouais. Agency Power. Bon. Bah j'ai envie de dire, on va écouter ça. Hein. C'est parti. Ouais. Bon là, on est à l'intérieur de la C63 AMG. On va faire un petit tour. On va faire écouter le bruit depuis l'intérieur. Donc vous avez entendu à l'extérieur, c'est pas le même bruit que le 6.3 AMG entre guillemets de base. Il est beaucoup plus rauque, mais il n'est pas forcément plus fort. C'est un autre son. J'aime bien aussi.
Mais on va dire que ça manque un peu de violence. Vas-y, fais le tour du rond-point. Par là-bas. Par là-bas? Ouais, par là-bas. Soit là, tu peux déjà faire une petite accélération. Méchant dodan. J'ai pas envie que tu pètes ton pare-choc dans le vlog. Donc c'est vrai que le bruit à l'intérieur est vachement c'est moins violent qu'à l'extérieur. Ouais. C'est beaucoup moins violent. Ouais. C'est vachement sonorisé. À gauche, c'est vachement sonorisé. Après, elle pousse bien. Il y a une prépa moteur dessus ou quelque chose? Il y a une reprogrammation du calculateur à 530 chevaux. 530 chevaux, d'accord. Bah ça sent un petit peu, tu vois. Ouais, ça sent, ça dit, ouais, sent bien, j'ai déjà essayé pas mal de C63 et on le sent un petit peu quand même, ouais. On le sent un petit peu. Ce qui est dommage, c'est vrai que le bruit à l'intérieur est beaucoup trop discret. Après, si tu roules avec tous les jours, c'est mieux. Parce que je connais certains propriétaires qui ont modifié complètement la ligne inox complètement libre sur un 63 MG. Ça pétarade de partout, mais c'est invivable. Ouais, c'est invivable. Tu roules deux heures, ça a mal au crâne comme pas possible. Vas-y, on continue. Là, on va arriver sur une ligne droite. S'il n'y a pas grand monde, on va refaire une petite accélération pour en réécouter le bruit. Ouais, on le sent bien quand même, l'accélération. Hein. On sent qu'elle n'est pas d'origine. Juste ce qu'il faut. À droite là, moi j'adore le bruit des V8 AMG. Par contre, je sais pas si toi t'aimes bien les nouvelles C63 AMG, je trouve que le bruit est moins beau. Ouais, parce qu'il y a un turbo maintenant. Ouais. Il y a un turbo. Là, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, c'est du brut. Le bruit, voilà, le moteur chante bien. J'adore tout ce qui est 63 AMG. De toute façon, vous le savez très bien dans la vidéo que je suis fan des AMG. À la prochaine, tu tourneras à gauche. Bon, puis là, voilà, la route est complètement dégueulasse, donc tu vas pas accélérer. Je monte un peu l'intérieur. Donc, c'est les intérieurs des premières versions des C63. Par contre, il a le pack carbone. On a le carbone ici, c'est sympa. Sur le volant également. On va aller à gauche là. On le retrouve aussi ici. Donc Thomas, ça c'est une voiture que tu utilises tous les jours ou occasionnellement? En général le week-end. Le week-end, ouais, voilà. Le week-end. De temps en temps la semaine, mais en général ouais le week-end. Ouais, bon, après voilà, c'est quand même un véhicule que tu peux utiliser assez souvent. Hein, parce ouais, que c'est bon, ça. Après en termes de consommation, t'es comment là-dessus? En termes de conso, on est sur du 20-21 litres au 100. Ouais. En ouais. ville, en roulant entre. En roulant tranquille, tranquille quoi. Ouais. En roulant tranquille, tranquille ouais. On va vous faire écouter les accélérations depuis l'extérieur du véhicule. Comme ça, vous allez voir la différence. On va refaire un petit passage. Oh my god! Elle a disparu. Regardez-moi cette trace de pneu de sauvage. J'étais absolument pas prêt. Je me dis roule tranquille. Regardez-moi cette trace. Oh my god. On va réussir de faire un petit burn.
Bon, vous avez vu avec la facilité dont le C63 fait des burns, c'est juste un truc de ouf. Autant sur les vlogs que j'ai fait avec les autres AMG comme la E63 de Steven, on en a chié, faut la mettre en mode sport plus, machin chouette et tout. Celle-là, elle part en burn statique mais d'une facilité comme jamais. Puis regardez-moi les traces de pneus. À la base, ça devait être un petit vlog tranquille entre midi et 2. Et je crois que là, ça tourne mal. Hein. Ça tourne vraiment mal. Vous avez vu cette C63 de l'enfer. Le vlog est totalement parti en couille. À la base, on voulait faire un petit vlog tranquille, pépère, en forêt. On respecte les arbres, l'écologie, tout ça. Mais forcément, quand on a un C63 dans les mains, bah, ça part en couille. Et rip les pneus. Ils sont quasiment morts. Le vlog sur cette C63 AMG est vraiment énervé, donc la voiture de Thomas est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour notre aventure. Ciao les gars, et merci Thomas.